cinquième jour, j'ai une très très bonne nouvelle pour les personnes qui ont de l'hypercholestérolémie de surcharge, c'est-à-dire qui ont du cholestérol parce qu'elles ont complètement mangé de travers. Si on mange bien pendant la période du Ramadan en suivant à la lettre le programme que j'ai organisé, manifestement, elles ont toutes les chances de voir leur cholestérol diminuer. Ce qui est quand même une très bonne nouvelle. En même temps, d'ailleurs, qu'elles perdront un petit peu de ventre, qu'elles perdront un petit peu de gras, un petit peu, qu'elles ont logé un peu partout. En général, c'est plutôt au niveau du tour de taille, ce qui leur fait vachement bien plaisir. Eh bien, ça peut diminuer si vous êtes raisonnable et que vous suivez correctement vos repas du Ramadan pendant la période du jeûne. Et vous verrez que votre silhouette va s'amincir en même temps que votre poids, votre volume et votre cholestérol vont gentiment descendre. Bon, il faut bien sûr respecter le programme que je propose, hein. Il y a pas de... C'est le médecin qui vous parle et c'est médicalement une action qui est à suivre si on veut avoir une bonne santé. À la rupture du jeûne, je vous propose des abricots en aspic et le coulis de framboise. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon aussi. Et on peut trouver du coulis de framboise, on peut en faire en achetant des framboises surgelées, hein. Ça se surgèle très bien les fruits, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Puis une boisson chaude et une bouillabaisse. Alors, on fait suivre avec un truc qui va vous plaire, une bouillabaisse de morue. Et on boit bien sa bouillabaisse. Alors, la bouillabaisse de morue, en dehors de la période du Ramadan, c'est non, non et non. Et même quand c'est la fête, s'il vous plaît. Et c'est pas la peine de baisser le nez, Maya, parce que tu voudrais bien, c'est non. Même pour toi. Le matin avant la prise du jeûne, je vous propose, alors ça va vous plaire, des escalopes de veau panées avec des tagliatelles et une soupe à l'oignon. C'est-à-dire tout ce qui est interdit d'habitude, le pied. Et toujours les boissons chaudes ou froides sans lait, ni sucre, ni édulcorant. On va vous donner la bouillabaisse de morue comme recette, c'est quand même sympa. Mais c'est interdit sinon. Oui, c'est interdit en dehors du Ramadan. Pour eux, c'est autorisé. Hein? Pour eux, si t'as qu'à faire le ramadan, puis t'auras droit à ta bouillabaisse de morue, tu peux même le faire 30 jours de suite si tu veux, c'est pas un problème. Voilà pour la journée et pour les conseils. Je vous fais toutes mes amitiés à tous et je vous dis à demain pour le 26e jour.